Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir à tous nos invités et à tous nos lauréats, et particulièrement à monsieur le ministre de la Santé et de la Population, monsieur François Ibovi. À toi aussi, Bibiane, bonsoir. Bonsoir, docteur Thierry. Ok. Tout d'abord, merci pour votre présence. Ce soir, nous avons pu vous réunir ici à cause d'un cérémonial, dédié à la remise des prix de distinction et d'excellence Panorama Santé Environnement. Et vous allez tout à l'heure découvrir pourquoi ces prix et pourquoi à ces lauréats que nous avions, ensemble avec le comité de jury, nous qui sommes du comité scientifique, donc on a choisi. Et tout de suite, nous allons donc inviter le président du comité de jury de cette première édition, M. Jean Obambi, le directeur général de Télécom. Oh, juste un petit mot. Mesdames et messieurs, en vos rangs et qualités, comme disent les hommes politiques, mesdames et messieurs, les heureux lauréats de la première édition du prix de distinction et d'excellence Panorama Santé, mesdames et messieurs, les amoureux de la science, surtout de la science sanitaire. Au seuil de l'année nouvelle 2016, le comité d'organisation du prix Panorama Santé édition 2015 est heureux de former pour chacun d'entre vous et pour vos familles respectives les vœux de santé, de longévité et de plein épanouissement dans vos multiples entreprises. Nous allons assurément, à travers la cérémonie de ce soir, celle qui consiste en la remise des trophées et diplômes d'honneur aux nominés, énoncer une vérité en rappelant que le développement du Congo, la véritable autonomie de notre cher pays vers son émergence, dépend et dépendra de la qualité de notre environnement scientifique. Et le combat des peuples africains aujourd'hui, qui aspire plus que jamais à l'émergence véritable, est lié à cet environnement. Panorama Santé et Environnement est une production de la télévision nationale congolaise et un espace scientifique d'échange, de partage d'informations et d'expériences, de diagnostic sur les dysfonctionnements éventuels du système de santé, de la gestion des soins, de l'accès aux soins par les populations. Eh bien, les deux principaux objectifs de Panorama Santé et Environnement sont, premièrement, offrir une tribune scientifique d'expression et d'échange aux différents acteurs du système sanitaire, c'est-à-dire les médecins, les chercheurs, les populations, les politiques, que sais-je encore, sur les questions de la santé publique. Deuxièmement, inciter tous les acteurs du système de santé congolais à l'excellence. Le prix de distinction et d'excellence Panorama Santé et Environnement est donc une réponse à l'un de ses objectifs. Cette initiative se veut un créneau d'incitation à l'excellence, de reconnaissance individualisée, d'émulation et surtout de promotion des meilleures volontés exprimées en faveur de notre système de santé. Après donc un suivi annuel sur l'ensemble du territoire national, des activités des différents auteurs ou des différents acteurs impliqués dans le développement du système sanitaire congolais et sur la base d'une démarche scientifique éclairée, le comité scientifique du prix Panorama Santé, composé de 24 membres, dont les éminents universitaires, médecins, chercheurs, sociologues, avait proposé la liste de 27 sélectionnés à raison de 3 par catégorie de prix. Et les 9 nominés de ce soir sont le fruit du travail assez difficile en matière de validation, bien sûr, il faut le souligner, et du comité de jury dont votre humble interlocuteur a eu la mission de présider, et ce à l'occasion de cette première édition. Je voudrais donc féliciter l'effort fait par le comité d'organisation pour favoriser la rencontre de ce jour. Vive la première édition du prix de distinction et d'excellence Panorama Santé
Vive la santé. Vive Télé-Congo. Je vous remercie. Merci. Merci, merci, monsieur le président du comité de jury, Bibiane. Ton impression après ce discours aussi, je dirais, scientifique, hein, bien que c'est un journaliste qui le fait. En tout cas, je réalise l'enjeu de cette cérémonie spéciale de ce soir de remise de trophées et de diplômes aux nominés du système de santé de notre pays. Et nous pensons que cette manière d'agir va permettre aux acteurs évoluant justement dans ce secteur d'aller de l'avant et d'innover davantage. Et on va tout de suite interviewer nos différents lauréats présentant du projet d'appui pour la formation des personnels paramédicaux. Alors, s'il est là. Il est, vous l'avez dit, le représentant donc du projet Paramed. Le projet Paramed, c'est le projet d'appui à la formation du personnel paramédical. Alors, pour commencer, nous allons devoir lui dire d'abord bonsoir. Bonsoir, madame. Et quelles sont vos impressions déjà? Êtes-vous sous l'effet des lumières? Qu'est-ce que cela vous fait d'être en ces lieux rapidement? Je suis ému d'être en ces lieux et surtout au sein de grandes personnalités et surtout d'avoir derrière moi directement le monsieur le ministre de la Santé et que nous servons. D'accord. Que nous servons ici. Merci beaucoup. Alors, vous êtes choisi par le comité scientifique de Panorama Santé et Environnement. Oui. Pourquoi vous êtes choisi selon vous? Personnellement, comme on l'a dit, je suis représentant. Je suis représentant du projet Paramed. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet justement? Oui, Paramed. Le projet Paramed, c'est le projet de formation continue des personnels paramédicaux qui a été initié par le gouvernement congolais et qui est mis en œuvre par le ministère de la Santé avec l'appui d'un certain nombre de partenaires habituels du gouvernement. Qui sont l'Union européenne et l'Agence française de développement. Depuis quand ce projet a été initié par le gouvernement? Vous existez depuis quand? Nous existons, enfin ce projet a une longue histoire. Il faut dire que c'est d'abord la maîtrise d'ouvrage déléguée par le ministère de la Santé qui met en œuvre ce projet depuis janvier 2014. Il commence s'il faut, à terminer, s'il docteur faut Kivin. Parler des objectifs spécifiques de ce projet directement. Les objectifs spécifiques, c'est d'apporter un appui au recyclage du personnel paramédical qui est déjà en service, de manière à ce que, pendant qu'on est en train de faire les réformes sur la formation initiale, nous puissions, en termes de formation continue, essayer de réparer un peu les compétences sur le terrain et répondre à la qualité des soins. Et rapidement, docteur Kevin, si vous le permettez, quels sont vos projets pour 2016? Nos projets pour 2016, c'est de faire en sorte que les formations continues qui s'organisent aujourd'hui puissent trouver leur aboutissement sous l'égide du professeur Onzonto, d'ailleurs, qui est le directeur général de l'administration et de la réglementation et des finances et qui est en charge des ressources humaines. Et d'ailleurs, il a une mission assez symptomatique de la manière dont nous mettons en œuvre le projet, qui est un projet multisectoriel. Bon, moi, je suis docteur Servet Kapochichi. Mm-hmm. Je suis expert technique international en matière de sciences et pédagogie. Et je suis personnellement médecin spécialisé d'abord en endoscopie digestive, diagnostique et thérapeutique, puis enfin médecin spécialiste en santé publique et expert en formation. Merci beaucoup. Je comprends que Viviane est tellement séduite par ce projet, mais pour moi, je veux respecter le timing. Alors, si vous êtes nominé, effectivement, c'est à cause de la pertinence de ce projet que nous voulons bien que le Congo s'en approprie pour la formation continue du personnel médical, parce que
il se pose réellement un problème de la qualité des prestations que nos structures de santé délivrent. Et ce projet vient à point nommé au moment où on parle développement du système sanitaire avec la construction de 12 hôpitaux généraux plus l'hôpital militaire, avec l'envoi de tous ces médecins, plus de 2000, qui vont arriver dans quelques années, mais qui auront besoin des paramédicaux. Et c'est pour cette raison que je pense encourager ce projet, si on peut applaudir pour paramètre. Merci à vous. Vous pouvez regagner. Tout de suite, on va donc appeler la société, une société qu'on a nommée, la société Asper Bras Congo. La société Asper Bras Congo, une société très connue, hein, parce qu'on voit ériger un peu partout des hôpitaux. Je crois que tout juste derrière la télévision, nous voyons un hôpital bien sûr. Est déjà sorti de terre. Je crois que c'est l'œuvre d'Asper Bras. Oui, madame, bonsoir, bonjour. Bonsoir. Tout le monde, la société Asper Bras est arrivée au Congo en 2011. Et depuis de là, on a travaillé dans plusieurs projets, les projets Eau pour tous, la zone industrielle. Et aujourd'hui, on travaille sur la mise en œuvre des projets Santé pour tous ici au Congo. Et notamment, qu'est-ce que vous faites concrètement? Aujourd'hui, on avance déjà et on est en train de faire toutes les finitions des hôpitaux, de construction, des côtés civils, des côtés des installations électriques, hydrauliques. Et dans quelques jours, on va commencer déjà à recevoir et installer des équipements. Et pour 2013, est-ce qu'on peut se dire que ces projets... 2016 plutôt. Ces Merci. Projets vont rapidement arriver à leur terme parce que les Congolais ont soif de voir leurs hôpitaux être finalisés. Ah oui, madame, ça c'est sûr. Vous pouvez compter que 2016, on va finir tous les travaux et tous les hôpitaux vont être à disposition du ministère de la Santé. Viviane, alors à quel niveau on peut vous êtes déjà avec la construction de ces hôpitaux quand on entend que vous allez les inaugurer en 2016? Ça suppose que vous êtes suffisamment avancé. Est-ce qu'on peut avoir un peu l'idée? Oui, aujourd'hui, on semble avancé sur 85% de tous les chronogrammes stipulés. Ça veut dire C'est-à-dire que ça reste autour de 15%, que c'est des finitions extérieures et c'est les installations des machines et des équipements à l'intérieur. Le projet Opoctus était prévu 4000 forages. On a fini l'année de 2015 avec 2600 forages. Et pour cette année, c'est prévu qu'on avance encore et au début septembre, on va finir les 4000 forages. Très bien. Et déjà, revenons un peu aux hôpitaux, vous vous déployez dans tout le pays. Donc vous êtes en train de construire combien d'hôpitaux au total? C'est 12 hôpitaux généraux, un chaque département. Et on peut connaître notre interlocuteur? Oui, moi je suis Leonardo, je suis directeur opérationnel d'Asper Bras Congo. Je suis arrivé ici en 2011 avec l'installation de la société ici au Congo. Je suis de naissance brésilienne et de corps congolais. Alors, et comment déjà, puisque vous êtes devenu congolais, comment vous appréciez la collaboration ici dans notre pays avec Très bien. Les Congolais, c'est un peuple travailleur et qui se voit accueillir très bien les professionnels qui arrivent pour contribuer au développement de ce pays. J'espère que vous mettez à contribution également les jeunes Congolais dans l'œuvre de construction. Aujourd'hui, on a plus de 5000 ouvriers qui travaillent dans tous les projets et on maintient bien la priorité pour donner la formation du personnel, pour les faire apprendre bien comment est-ce qu'on va avancer sur les choses et sur les chronogrammes du travail. Et toujours, c'est un des priorités. En transfert de technologie. En transfert Merci. De technologie. Si vous êtes nominé...
monsieur le directeur opérationnel, c'est simplement à cause de ça. La qualité des ouvrages, et quand on passe à côté des infrastructures que vous construisez, tout le monde comprend que le Congo vraiment avance vers l'émergence, si seulement tous les opérateurs économiques pouvaient faire comme vous, et surtout le projet Eau pour tous. Vous savez, avec l'eau potable, on élimine déjà 50% des maladies, parce que la proportion des maladies hydriques dues à la mauvaise qualité de l'eau est très importante dans notre pays. Merci, félicitations. Si on peut applaudir aussi pour merci. Alors, on va continuer avec le prix laboratoire biomédical. S'il y a le représentant de la clinique médico-chirurgicale Cogéron. Bonsoir, monsieur le représentant du laboratoire biomédical de la clinique Cogéron. À qui avons-nous l'honneur? Je suis monsieur Philippe Bansouzi, je suis l'administrateur de la clinique Cogéron. L'administrateur de la clinique Cogéron, qui fait un grand travail, il faut le dire, qui vient en appoint aux structures sanitaires publiques en matière de laboratoire. Du point de vue technique, pour votre information, la clinique Cogéron aujourd'hui compte deux appareils de scanner, deux appareils d'imagerie à résonance magnétique qu'on appelle IRM, et ça, c'est vraiment c'est une véritable révolution. Une clinique privée. Et voilà. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes nominé, vous allez être recevoir votre distinction par rapport à ce travail sanitaire que vous abattez dans le pays. Cogéron à Brazzaville, Cogéron certainement aussi à Pointe-Noire. Pas encore. Mais pas encore. Mais quels sont vos projets pour 2016? Ben, finir d'abord avec Brazzaville. On vient d'installer effectivement deux unités de scanner et d'IRM, la mammographie, qui est très importante, surtout ici dans notre pays, parce que beaucoup de femmes meurent à cause du cancer de sein. On fait des dépistages. Nous avons la dernière née des échographes pour faire les dépistages, éventuellement pour les hommes de la prostate, parce qu'il faut reconnaître qu'à partir de 55 ans, tout homme est menacé d'être atteint de la maladie de la prostate. Et nous avons déjà atteint ce stade-là. 2016 pour nous, je crois que c'est bien parti. Et je crois que c'est une satisfaction personnelle pour nous. Merci. Cogéron, c'est une curiosité. Hein. Cogéron, c'est le laboratoire. Oui. Mais Cogéron, c'est également des médecins qui soignent. Des médecins, une hospitalisation, la chirurgie, le bloc opératoire. Vous rentrez, vous savez, quand on est malade, tant qu'on n'aura pas détecté la pathologie, quel que soit ce que vous ferez, vous ne serez jamais guéri. C'est par les examens de laboratoire, c'est par les examens de radiologie qu'on peut détecter telle ou telle pathologie. Alors, si les examens de laboratoire sont faux, quels que soient les produits que vous allez vous ingurgiter, il n'y aura aucun effet. Alors, en dehors de ça, nous allons vous dire tout de suite pourquoi vous avez été nominé. Sur les 14 structures de laboratoire biomédical que nous avions sélectionnées, vous vous êtes distingué par rapport à la qualité de vos résultats, la réactivité, mais aussi le coût. Le coût est très abordable par rapport aux autres. Merci à vous, et si on peut applaudir, aux yeux. Merci. Ok. La clinique médicale de Brazzaville. Voilà. C'est la clinique médicale. Bonsoir, de madame. Bonsoir. Est-ce qu'on peut vous connaître? Joëlle Kobi, je suis la directrice de la clinique médicale de Brazzaville. Une clinique privée qui se distingue de par la qualité de ses services. Alors aujourd'hui, vous êtes choisi parmi donc tant d'autres cliniques qui existent sur la place. Comment vous réagissez? Je suis d'abord très honorée. Bon, je remercie donc Panorama Santé pour cette distinction.
Mais je voudrais aussi avant tout remercier mes collaborateurs et mes médecins, parce que sans eux, on ne serait pas là. C'est grâce à eux, en fait, qu'on peut avoir ce prix aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que vous faites concrètement Les services que nous avons. Oui. Okay. Donc, nous avons un service ophtalmologique qui est très connu sur la place de Brazzaville. Et nous avons un laboratoire aussi, radiologie. On a quasiment tous les services, en fait, sont présents. Mais les services, on les a commencés en 2014. Tous ces nouveaux services. Sinon, on a commencé par l'ophtalmologie. Vos projets rapidement pour 2016, s'étendre dans tout le pays ou... Pour le moment, on va rester sur Brazzaville. On va essayer d'agrandir un peu la clinique au niveau ophtalmologique pour proposer plus d'opérations. Car le but, en fait, c'est d'éviter que les gens aillent à l'étranger pour se faire soigner. Car on a des bons médecins, on a du bon matériel, donc il n'y a aucune raison que les gens aillent jusqu'en France ou au Maroc. Notre ambition. La clinique très réputée en ce qui concerne l'ophtalmologie, et j'en sais quelque chose. C'est pour cette raison que la clinique médicale de Brazzaville a été nominée. Mmh. Mais parlez-nous un peu de la genèse de cette clinique très rapidement. Comment vous avez eu l'idée de la créer? Alors, Madame Danielle Sassou Nguesso, qui est donc opticienne de formation, donc qui avait donc un magasin d'optique, et face, on va dire, à une certaine demande. Un peu des patients et après étude des besoins aussi au niveau du pays, elle a décidé d'ouvrir une clinique d'abord dédiée à l'ophtalmologie. Madame Danielle Sassou Nguesso, qui est parmi nous, je pense, oui. Et que l'on peut applaudir, s'il vous plaît. Merci si vous beaucoup. Êtes nominée, c'est justement à cause de votre service d'ophtalmologie, parce que nous avions dans le comité scientifique à essayer d'enquêter. Le Congo commence à inverser la tendance. Hier, nous avions beaucoup de compatriotes, des sujets de la RDC qui arrivent chez vous pour se faire consulter. C'est-à-dire nous sommes en train de réduire l'échelle dans la prise en charge des pathologies ophtalmologiques. Et cette clinique commence à devenir une référence dans la sous-région. Et ça, c'est à féliciter vraiment. Quand vous allez là-bas, vous voyez les équipements, la qualité des équipements. Alors, c'est le problème que tous les clients patients souhaitent que vous améliorez rapidement, c'est la capacité d'accueil. Oui, parce que on y travaille. L'attente est très longue et ça, on y travaille, il faut le faire pour l'honneur du pays. Merci à vous. Merci à vous. Bravo pour la clinique médicale. Qui a pris découverte, choisie pour la société Comateg Médical. Alors bonsoir, c'est monsieur Claude Mbemba, je pense. Et donc vous représentez la société. Comateg Médical, SARL, c'est une initiative congolaise aussi qui en 3 ans d'existence seulement a su s'imposer comme un partenaire incontournable. Alors dites-nous un peu, qu'est-ce que vous faites réellement à Comateg? À Comateg, nous sommes spécialisés dans l'importation et la distribution des équipements médicaux, des consommables de laboratoires de radiologie, des instruments médicaux, des mobiliers, et nous faisons la maintenance, nous faisons le service après-vente, et nous faisons aussi des études pour les projets. Des médicaments aussi? Non, on ne vend pas des médicaments. On n'est pas des médicaments. Nous sommes spécialisés dans le matériel, l'équipement. La maintenance. Ouais. Et vous évoluez notamment dans des grands centres hospitaliers, j'imagine, de la place? Oui, on peut le dire, nous sommes partenaires de tous les grands centres médicaux du Congo. D'accord. Du CHU de Brazzaville. À Pointe-Noire, nous avons Assisi, nous avons Tietje, nous avons Landili, nous avons Netker, nous avons Guenin. À Brazzaville, nous avons Semou, nous avons aussi Cogemont. Nous sommes aussi à Wando et tout, dans tout le pays. Pour que l'on vous saisisse très bien, est-ce que vous pouvez nous décliner rapidement le rôle de la maintenance? Parce que nombreux, parfois, ne le savent pas du tout. Oui, il y a un vrai problème de maintenance dans ce pays, parce que quand vous achetez un appareil, il peut tomber en panne. Il faut qu'il y ait des techniciens qui puissent le réparer. Et nous avons des techniciens spécialisés, n'est-ce pas, et qui ont été formés et qui font le montage et la réparation des appareils que nous vendons chez nous. Et qui sont d'ailleurs garantis depuis l'usine. Voilà. Merci, merci Viviane. Merci. Alors, beaucoup. Vous savez que Comateg est arrivé ici en 2012, c'est ça? C'est ça. Et pourquoi ils sont arrivés ici? C'est lorsque le président de la République, en décrétant en 2012 l'année de la santé, il a demandé à la diaspora congolaise de venir s'investir pour le développement sanitaire du pays. Et eux, ils ont écouté donc la voix du président de la République. Ils sont arrivés ici et
commence à devenir l'une des grandes références. Et si on le nomine aujourd'hui, parce qu'on a réellement un problème. Ils sont aujourd'hui la première société de distribution des appareils et équipements consommables médicaux, une initiative congolaise, mais qui commence à avoir l'exclusivité d'un certain nombre d'appareils et de réactifs. Ça veut dire que demain, le Congo sera une référence aussi dans, en matière de... Et ça, c'est vraiment à féliciter. Merci à vous, Comateg Medical, si on peut applaudir pour lui. Merci. Alors, on va passer à une dame que tout le monde connaît aujourd'hui, hein, parce que elle devient l'icône de la recherche médicale. Elle est à vous, Francine. Alors, bonsoir, rebonsoir, parce que ce n'est pas pour la première fois que vous venez à la télévision nationale congolaise. Comme vous le dites, elle n'est plus à présenter. Je l'avais déjà reçue au journal de 20h, lorsqu'elle avait reçu sa distinction en Europe. J'étais à Addis avec elle. Et voilà. C'était vraiment un honneur pour la République du Congo. Alors, bonsoir, professeur Francine Toumi. Bonsoir, Vivienne. Vous êtes nominée aujourd'hui, alors vous êtes habituée, on va dire, depuis un moment donné, nous suivons l'actualité. Vous n'avez que des distinctions, alors quel est votre secret? Vous êtes une dame, en plus de ça. Oh, voilà. Il n'y a pas de secret, je dirais c'est le travail. Et est-ce qu'on s'habitue aux distinctions? Non, c'est à chaque fois la même émotion, c'est à chaque fois le même poids, parce qu'à chaque fois ça veut dire que c'est encore une responsabilité, il faut faire mieux ou en tous les cas continuer sur la lancée. Donc c'est un grand plaisir pour moi d'être là et je remercie vraiment Panorama Santé pour ces distinctions. Vous êtes présidente de la Fondation Congolaise pour la recherche médicale. Qu'est-ce qu'on y fait concrètement au sein de cette fondation? Alors, on a 4 axes prioritaires, des activités de recherche, donc sur différentes maladies, VIH, SIDA, tuberculose et paludisme, et les maladies diarrhéiques, des activités de formation académique et puis des ateliers, amélioration de l'environnement de la recherche en améliorant les laboratoires par exemple, et la valorisation des résultats de la recherche aussi pour bien expliquer ce que l'on fait, c'est pour qu'il y ait des retombées sur la population. Voilà. Et au sujet justement du paludisme, parce que les Congolais souvent souffrent de cette pathologie. Quelles sont les avancées que justement votre fondation a déjà faites dans ce sens? Le fait de faire de la recherche, il ne faut pas l'associer forcément à découverte. Là, c'est innovation. C'est aussi évaluer les outils développés par d'autres dans notre pays, parce qu'un outil qui fonctionne à Addis Abeba ou à Kinshasa peut ne pas fonctionner ici. Donc, il y a l'évaluation. Alors, en ce qui concerne le paludisme, la contribution de la Fondation Congolaise pour la recherche médicale, déjà, c'est dans l'un des seconds vaccins qui va arriver en collaboration avec l'Université de Tübingen, avec Sanaria aux États-Unis, qui va tester en phase 2 un nouveau vaccin qui apporte en tous les cas pour le moment une meilleure protection que celui qui va être mis sur le marché. Donc le Congo participera à ce développement via la Fondation Congolaise pour la recherche médicale, mais aussi par le Laboratoire national de santé publique et l'IRSA, parce qu'encore une fois, la Fondation Congolaise pour la recherche médicale ne travaille pas seule. Donc le mot collaboration est extrêmement important. Francine Toumi, si vous êtes distinguée, c'est aussi à cause de cette volonté que nous avions pensé distinguer, meilleure volonté dans le cadre de la recherche médicale. Et ce que nous vous demandons, c'est le transfert de compétences, hein, transféré, surtout à ces jeunes étudiants qui sont dans la faculté de sciences, pour que le Congo devienne le Congo des scientifiques demain et inverser la tendance. Notre rôle, c'est de faire la promotion de la science. On veut avoir plus de scientifiques que des politiciens au Congo. Merci à vous, Francine. Merci à la FCRM. Alors, on peut applaudir pour Francine. Voilà. On va appeler un homme. Il s'agit du professeur Gautran Onzoto. Voilà. Bonsoir, professeur Onzoto. Bonsoir, madame. Qui est très connu au CHU.
Je me souviens bien, lorsque j'ai séjourné un peu au CHU, au service de la communication. Voilà, que ah oui. Alors, professeur Onzoto, mais là j'apprends qu'il est directeur général de l'administration et des ressources au ministère de la Santé et de la Population. Et il est vice-doyen de la faculté de vice-doyen à l'université de la faculté de médecine. Voilà. Chef de service au réel au CHU. Bien évidemment. Voilà. Alors, toutes ces attributions, comment vous faites pour vous en sortir, car ce n'est pas facile. Déjà, sa spécialité ORL, on va dire que son service est beaucoup sollicité, beaucoup sollicité. Au centre hospitalier universitaire de Brazzaville. Ah ben, il est aussi le premier à avoir formé 7 spécialistes dans son service. Ah bon? Oui, oui. Il est arrivé, il était seul. Mais il a dû inciter les étudiants qui arrivent. Et aujourd'hui, on a 7 spécialistes dans son service au CHU. Comme on a dit tout à l'heure, le transfert de compétences. Professeur Onzoto. Merci madame. Bien, c'est vrai, ce n'est pas évident de gérer toutes ces situations administratives. Alors, d'emblée, j'ai sous ma responsabilité le service d'otorhinolaryngologie et de chirurgie cervico-faciale du CHU de Brazzaville. Service où j'ai passé de 2001 à 2005 comme étant le spécialiste d'ORL. Et j'ai eu, au cours de cette période, à voir une dizaine d'étudiants qui sont intéressés à la spécialité, qui ont passé le test de doctorat dans mon service, ce qui a fait que j'ai suscité des vocations. Je les ai adressés chez mes maîtres à Abidjan, à Dakar ou à Cotonou. Ils sont revenus, ils sont au nombre de 8 à propos. C'est une gestion managériale qui est bien équilibrée. Par ailleurs, c'est vrai que le volume de travail est très important. J'ai dit tout à l'heure qu'il s'agit bien évidemment d'une planification managériale. Quand on sait que le manager est comme l'horloger qui repart ou fabrique les montres, et lui, le manager, lui gère le temps. Il gère son propre temps, il gère le temps des autres. Ça revient à dire qu'il y a pour ces stratégies managériales des principes et des attitudes. 4 attitudes qui permettent de gagner du temps, notamment être actif, être directif, être proactif et savoir se désengager de toute activité. Et de l'autre côté, vous avez 3 règles d'acier qui font optimiser le temps, notamment stratifier le travail, ce qui est urgent et important, ce qui est urgent et puis ce qui est important. Ce qui fait que la gestion ne pose pas assez de problèmes. Alors rapidement, Otto, vous savez, ORL, parfois les Congolais ne savent pas trop, ORL, otorhinolaryngologie, il vient de le dire, mais il peut nous le dire en des termes un peu simples. Chirurgie maxillofaciale, là aussi c'est une spécialité pointue. Quand un malade arrive au CHU, oui. Et sur vous, si le triage de Brazzaville, le transfert chez vous, c'est dans vos compétences médicales. Exactement. Et il s'agira de quelle maladie à peu près? Est-ce que vous avez l'habitude des cas dans votre service à Brazzaville? Exactement. Alors, nous avons une spécialité qui est médico-chirurgicale, notamment qui s'occupe des maladies des oreilles, du nez, de la gorge, et également de la chirurgie du cou et de la face. Donc, tout ce qui intéresse ces pathologies... Les sinusites, les otites, les surdités, les mutités, tout ce qui en suit, toutes les pathologies inflammatoires ou tumorales. Et la chirurgie maxillofaciale, c'est les accidentés, je crois. Non seulement les accidentés, mais la chirurgie réparatrice également. La chirurgie réparatrice, puis la chirurgie tumorale. Alors, si vous êtes nominé professeur, c'est simplement parce que nous avions constaté, rares sont ces professeurs qui, une fois responsabilisés, hein, quand ils ont des responsabilités administratives, restent attachés aux patients. Et on a fait une petite enquête dans la plupart des services. D'abord, la qualité des prestations, cette volonté de transfert de compétences, mais aussi la proximité avec les malades, parce que le professeur Onzoto, quand il donne rendez-vous à ses patients, il est toujours là. Si on peut applaudir pour eux. Rapidement, on va donc passer à une dame, madame Fatima.
Fatoumata Bita Diallo. Elle est représentante de l'EMS au Congo. Attention, madame. Voilà, Viviane. Elle est à vous. Alors, bonsoir, docteur. Bonsoir, Liliane. Diallo, voilà, Fatoumata Bita Diallo. Vous êtes représentante de l'OMS au Congo. L'OMS, c'est grand, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Et on vous voit toujours en train d'appuyer les politiques, d'appuyer les gouvernements, les gouvernants plutôt, en matière de politique sanitaire. D'accord, merci beaucoup, merci de nous avoir invités ici. Et comme l'a dit mes prédécesseurs, c'est vraiment avec émotion qu'on est là. Et tout d'abord, permettez-moi de vous présenter mes meilleures vues, de bonnes et heureuses années. Merci. Beaucoup de santé à vous tous ici et à toute la population congolaise qui est la mienne aussi. Donc, c'est sûr que l'OMS, c'est une agence technique qui est en charge d'élaborer et de diffuser les normes et standards. Mon travail a été facilité parce que tous mes prédécesseurs ont parlé de ce que nous faisons. Parce qu'il faut qu'on définisse ces normes pour que les gens puissent travailler. Quand on parle de ressources humaines, il faut savoir quelle est la norme en termes de qualité d'une ressource humaine pour travailler dans un système de santé. Quand on parle de laboratoire, il faut avoir des normes, il faut avoir des standards. Et quand on parle d'un système de santé, il faut avoir une politique. Et ça, c'est notre travail, de supporter le gouvernement pour avoir ces normes et ces normes qui permettent de travailler et d'avoir des piliers du système de santé très solides pour une meilleure santé des populations. C'est vrai, je l'ai dit, on la voit partout en train d'appuyer justement le gouvernement, comme elle vient de le dire. Le gouvernement a beaucoup de défis à relever en matière de VIH-SIDA, en matière de la mortalité maternelle et infantile. Et nous savons que vous êtes souvent là avec le ministre de la Santé de la Population, avec la Première Dame. Nous voulons rapidement connaître, est-ce que, en matière de VIH-SIDA, est-ce que le Congo a regressé en termes de statistiques? Bon, c'est sûr que j'ai le ministre de la Santé à côté qui... Il est censé parler de ces avancées. Lorsque vous évaluez les indicateurs. Alors, les indicateurs, on peut dire que quand même on avance dans la bonne direction. C'est sûr quand que même, c'est... Quand même, ça veut dire qu'il y a quelques efforts encore. Il y a des efforts à faire, on n'est jamais parfait. Mais on sait que nous avançons dans la bonne direction et que tout est mis en place pour pouvoir réellement répondre aux besoins sanitaires de la population. Si il y a en termes de plaidoyer à faire pour améliorer rapidement quelques indicateurs. Vous penserez déjà à quoi? La première des choses, c'est de renforcer le système de santé dans tous ses piliers. Parce qu'aucun des piliers ne peut marcher sans l'autre. C'est-à-dire, quand on parle de services de qualité, il faut avoir des ressources humaines, il faut avoir les infrastructures, il faut avoir les outils, il faut avoir les médicaments. Donc, tout ceci existe, mais ça mérite d'être adapté parce que la population, les besoins de la population changent au jour le jour. On est en train de parler tout de suite, on nous parlait des prostatites, on nous parle des AVC. Donc, le système de santé doit s'adapter aux besoins de la population. Et ça, c'est quelque chose qui va tellement vite que le système de santé doit suivre et on essaie d'aider pour que le système de santé soit à jour. Madame. Avec l'effondrement du coût des prix du baril de pétrole, est-ce que vous pensez que les pays africains, surtout ceux qui fondent beaucoup plus leur budget sur le pétrole, peuvent réussir encore le système économique mondial aujourd'hui un peu en difficulté? Et, évidemment, la priorité des priorités, c'est la santé. Très bien. Oui. C'est-à-dire qu'il faudrait mettre l'accent sur la santé des populations. Et le reste doit venir. Parce que, comme vous l'avez si bien dit, pour qu'on diversifie l'économie, les activités économiques, il faudrait des voies valides pour le faire. S'occuper des consommateurs, voilà. Il faut s'occuper des populations, et c'est très important. La priorité des priorités, c'est la santé. Et donc, en 2016, que va faire l'OMS dans le cadre, justement, de cette amélioration de notre
système sanitaire? Absolument, on va continuer à mettre en œuvre la politique nationale du système de santé de ce pays, dont les priorités ont été très bien définies, qui sont l'amélioration de la qualité des services. Et avec tout ce qui se passe comme construction des hôpitaux, avec tout ce qui se passe pour l'amélioration de la qualité des ressources humaines. Oui. Et la mise en place. Madame, on a 2000, oui. près de 2000 médecins en formation en Cuba. C'est sûr, mais pour 2016, ils ne seront pas là. Ils seront pas là. Sauf qu'on sait que nous sommes en train de renforcer déjà les compétences qui sont en place. Très bien. On a une politique qui est bien assise. Et je pense que 2016 sera réellement une année encore d'amélioration davantage la qualité de fourniture de services. Merci, madame, merci. Merci et beaucoup. Si vous êtes nominée, madame, c'est justement à cause de votre implication dans la mise en œuvre de tous ces facteurs que vous avez cités. Et vous êtes toujours là, aux côtés de notre ministre de la Santé et de la Population. C'est encouragé. Il faut vous rappeler que madame, donc docteur Diallo, est parmi les pionnières qui luttent pour l'intégration de la planification familiale un peu dans le système de santé, pas seulement au Congo, mais dans le monde, parce que quand elle était, après qu'elle a pris ses fonctions en 2004, ça c'est en Angola que vous avez commencé votre carrière de représentant, voilà, après l'Angola, c'était le Mali, où elle a été même décorée l'ordre de commandeur étranger, c'est ça, commandeur, aujourd'hui commandeur, bien sûr, et aujourd'hui c'est au nom de tous les Congolais, Panorama, qui agit au nom de tous les Congolais, voilà, on vous remercie, et continuez donc à nous soutenir, parce que vous êtes aussi congolaise, parce que vous êtes africaine. Absolument. Ouais. Je suis congolaise. Merci beaucoup. Merci, merci, merci à madame. Si on peut applaudir. Monsieur le ministre de la Santé et de la Population, on vous invite à prendre place. Vous savez, nous les communicateurs, nous avons toujours tendance à nous dire que c'est notre ministre, parce qu'il était ministre de la communication. Ici, on parle de la santé. Voilà, vous savez, c'est parmi les initiateurs de la création de ce bâtiment. De cette maison, voilà, les idées. Le CNRTV. Bon, c'est pour ça d'ailleurs qu'il a été nommé catégorie innovation. Voilà. Parce qu'on ne sait pas s'il a quelle gerbe qui lui pousse souvent à innover. À innover. Mais on ne sait pas. Et voilà. La catégorie innovation. Alors, Bibiane. Bonsoir, monsieur le ministre de la Santé et de la Population. Bonsoir. Monsieur le ministre, vous êtes là devant nous aujourd'hui parce que vous avez reçu une distinction par rapport à votre travail que vous abattez dans le domaine sanitaire de notre pays. Monsieur le ministre, lorsqu'on avait... Je vous dis ce que j'avais... Vous revenez sur le ministère de la communication. Parce qu'il est littéraire. Oui. Il faut qu'on le dise. C'est un grand littéraire. Si. Et tout le monde le sait dans notre pays. Et lorsqu'on... Un peu philosophe, parce qu'il a eu son bac en philosophie. Exactement. Oui. Avec mention honorable. Lorsqu'on l'envoie au ministère de la Santé, tout de suite, je me suis dit, mais est-ce qu'il va s'adapter? Mais au regard des efforts que nous constatons ici et là, nous réalisons que le ministre, finalement, c'est un caméléon, comme on dit, il s'adapte facilement. Monsieur le ministre, quel est votre secret? Il n'y a aucun secret, c'est le travail. Lorsqu'on a une mission, on doit se donner la peine d'abord de maîtriser l'objet de la mission et de savoir s'entourer. S'entourer et effectivement des hommes et des femmes qui ont à peu près la même volonté, la même passion. Et donc c'est se mettre en réalité, n'est-ce pas, en équipe et regarder dans une même direction. Je crois que c'est l'essentiel. Regarder dans une même direction. Aujourd'hui, monsieur le ministre, nous voyons des chantiers. Juste derrière la télévision, il y a un hôpital, un grand hôpital qui prend forme déjà là. Et le projet s'étend dans tout le pays. Donc au total, 12 hôpitaux généraux
qui suscite déjà une forte demande en termes de ressources humaines. Et si je peux récupérer un peu la balle, quel était son sens ? Comment il s'était inspiré à tout de suite réactiver la coopération avec le gouvernement cubain pour déjà préparer ces nombreux médecins qui demain reviendront pour... Alors, comment il est arrivé à découvrir... J'avoue que ce n'est pas facile. C'est énorme comme projet. Ouais. 12 hôpitaux généraux à mettre sur pied. Alors, comment se présente l'année 2016, monsieur le ministre? Je crois que c'est un simple problème de management. D'abord, il faut préciser que nous avons reçu du président de la République la mission de renforcer l'offre de santé. Et cela appelle une étude, une analyse. C'est quoi le renforcement de l'offre de santé? C'est pourquoi j'ai dit, la première des choses, c'est de maîtriser l'objet de la mission. Et deuxièmement, lorsque les paramètres sont définis à travers nombreuses démarches, par exemple, nous avons eu à faire un état des lieux, n'est-ce pas, de l'ensemble du système. Et en ce moment, on sait exactement ce qu'il faut faire en partant justement de tous les problèmes qu'on a rencontrés. J'aime à citer Aristote, justement, le philosophe. C'est une question de géométrie qu'il définit comme l'art de raisonner sur des figures fausses. Et donc, à partir de ce moment, et s'il y a une ligne courbe, eh bien, et qui ne nous permet pas d'arriver vite, il faut trouver une ligne droite qui permet d'arriver plus vite. C'est aussi une question de bon sens. Et donc ici, c'est la réalité, il y a le temps. Il faut que je vous le dise. Il y a une certaine cadence dans la réalisation d'un certain programme. Et si vous réalisez 12 hôpitaux généraux sur l'ensemble du territoire national, si vous en faites un par département, en raison de deux années par exemple, par département, il vous faut 24 ans pour construire les 12 hôpitaux. Ce qu'il y a de spécifique ici, c'est qu'il y a une évaluation. Tout se fait dans l'espace et le temps, donc il a la capacité d'évaluer le temps d'exécution d'un projet et de multiplier par les possibilités de le réaliser en un temps record. Et c'est le plus simple du monde. Et dans le même temps, La formation, on sait, Madame la représentante de l'OMS l'a rappelé, il y a trois composantes essentielles pour le système de santé, les infrastructures, les équipements et les ressources humaines. Mais les premières, ça se fait plus vite, s'il y a de l'argent. On peut le faire un peu plus vite. Les équipements, c'est pareil, mais les ressources humaines, c'est bien plus difficile. On ne peut pas le faire rapidement, en un an, en deux ans, ça demande plus de temps. Et en ce moment-là, il faut, dans le même temps, initier la possibilité, effectivement, de mettre en formation ce qu'il faut. Mais pendant qu'on met en formation, il y a l'existant. Dans le même temps, il faut penser à gérer l'existant, parce que ça ne s'arrête pas. Et vous savez, ce qu'on a mis en place, c'est la possibilité, en attendant le retour, justement, des jeunes qui sont mis en formation. Vous avez eu paramètres tout à l'heure, c'est pour ce qui est des paramédicaux, il s'agit de gérer l'existant, mais il faut aussi gérer, parce qu'on ne veut pas seulement gérer l'existant au niveau des paramédicaux, il faut gérer et le futur, donc former de nouveaux paramédicaux. Là aussi, c'est la question, n'est-ce pas, des écoles paramédicales qu'il faut résoudre et pendant qu'ils sont en formation. Et donc, nous avons à former, et nous avons en ce moment d'ailleurs un séminaire en perspective. Et il y a un autre volet que j'ai oublié de souligner, c'est qu'il y a les ressources humaines. Quand on parle souvent des médecins, des paramédicaux, mais il y a une dimension non moins importante qu'on n'évoque pas souvent, c'est la dimension des gestionnaires, n'est-ce pas, des hôpitaux. Et là, il faut avouer que on a tout à fait, tout à fait. Un médecin, il n'est pas formé pour gérer un hôpital. Il doit être, pour le faire, il n'est pas exclu pour autant, pour le faire, il doit être doublé, n'est-ce pas, de la formation de gestionnaire. Et c'est ce qu'il faut faire. Et là, en préparation, il y a
la formation des gestionnaires des hôpitaux. C'est tout un système. Vous avez les différentes composantes. Après, il faut mettre tout en cohérence. Un élément que je voulais souligner, pendant qu'il en forme, eh bien, nous avons un accord avec les amis cubains et qui permet l'envoi de 2688 médecins et autres spécialistes en raison de 192 par hôpital général en construction. Et ces médecins spécialistes vont faire le pont pendant toute la durée de la formation de nos jeunes. Monsieur le ministre, le temps ne nous permet pas d'aller de l'avant, mais vous avez déjà beaucoup fait, les efforts sont visibles. Il y a encore beaucoup à faire. Beaucoup reste à faire, je crois aussi, parce que la question sanitaire, je pense, elle reste préoccupante dans notre pays, notamment en ce qui concerne l'amélioration de l'accueil dans les centres hospitaliers. Je veux parler du centre hospitalier universitaire de Brazzaville et pourquoi pas de bien d'autres centres hôpitaux. Pour 2016, quel va être votre champ d'action ? Le problème de l'accueil, nous l'avons déjà dit, en tout cas je dois vous dire que tous les problèmes sont connus au ministère de la Santé. Lorsqu'il vous arrive de faire un nouveau reportage, montrer que tel ceci est handicapé, pour nous ce n'est pas une information. Hein? Nous avons déjà fait ce diagnostic, mais vous savez, pour reconstruire l'ensemble, il faut du temps. Donc vous pouvez aller une fois, chaque fois vous trouverez un établissement qui est délabré. Mais ça ne veut pas dire que rien n'est en train de se faire. Parce que ça se fait par morceaux. On ne peut pas tout faire en une seule fois. Donc c'est inutile aujourd'hui de faire de nouveaux reportages pour montrer que tel et tel établissement en délabrement. Ça, nous le savons. Et nous avons mis en place un plan en termes d'accueil. Vous trouvez d'abord le problème de la construction elle-même. C'est le problème d'architecture. Le problème, par exemple, du CHU, quand vous y arrivez, c'est d'abord au niveau de l'architecture. La conception du bâtiment, comme tel, n'avait pas prévu un véritable service, n'est-ce pas, d'accueil. Et il faut donc, à nouveau, penser à peut-être à y ajouter. Mais je vous rassure que ce qui est en train de se construire en ce moment tient compte de toutes ces imperfections et donc apporte la correction nécessaire. Et vous aurez l'occasion de le constater. Monsieur le ministre a tout dit. Et monsieur le ministre, merci. Mais si, peut-être que vous allez découvrir pourquoi vous êtes nominé. Si vous êtes nominé ce soir, c'est justement à cause de toutes ces innovations. D'abord, les réformes. Réformes administratives, aussitôt arrivé à la tête du ministère de la Santé et de la Population, il impose les réformes. Nous sommes passés d'une direction, une direction générale de la santé, à 6 aujourd'hui, une véritable décentralisation de l'administration de ce département et aussi à cause de cette clairvoyance. Vous-même, vous avez suivi tout ce qu'il a pu dire. Et si vous avez des impressions à donner par rapport à votre nomination à Panorama Santé, qui d'ailleurs est une émission assez critique, hein, parce que ça fait le diagnostic du système de santé. Vos impressions, monsieur le ministre? D'abord, je vous dis merci pour l'invitation. M'aura permis certainement de dire un mot au public. Et sinon, votre émission certainement me permet une fois de plus de réaliser que, puisque nous connaissons la direction à suivre, que nous devons davantage travailler pour atteindre effectivement les objectifs que nous sommes fixés pour réaliser la mission que le président de la République nous a confiée. Et le plus important, la plus grande satisfaction que nous aurons, c'est de satisfaire les besoins de la population en matière de santé et rendre, comme le souhaite le président de la République lui-même, rendre accessibles les soins aux soins, n'est-ce pas, accessibles les soins de qualité. Et pour cela, il y a quelque chose qui est visé en perspective, c'est que nous devons nous battre, on a parlé de médicaments, pour garantir l'accessibilité des populations aux soins de qualité, c'est de mettre en place, et cet effort va avoir lieu
en 2016, c'est la mise en œuvre des réseaux, parce qu'il s'agit des réseaux qui permettent une véritable distribution effectivement de moyens. Je veux parler de la couverture sanitaire universelle. Donc il s'agit de créer les conditions qui fassent que d'abord ça passe par la promotion des médicaments, n'est-ce pas, essentiels, deuxièmement par la réduction, n'est-ce pas, des prix des médicaments, et il faudrait bien qu'on parvienne à la mise en place d'une liste de médicaments qui devront faire l'objet d'une réduction sensible en termes, n'est-ce pas, de couverture sanitaire universelle. Je vous apprends, j'étais aux assises du médicament au Maroc, et sur ce point précis, ils ont 2000 médicaments qui ont fait l'objet d'une réduction, et ce qui garantit l'accès des populations, effectivement, aux médicaments, et donc qui devrait coûter moins cher. Donc nous avons à lutter aujourd'hui contre des prix très élevés, ce qui constitue un obstacle, c'est un obstacle financier, mais nous avons aussi à lutter contre les obstacles géographiques en termes d'implantation des établissements sanitaires. Et donc il s'agit de mettre de façon géographiquement harmonieuse les établissements de santé pour garantir l'accès des populations aux soins de santé. Merci beaucoup, voilà, monsieur merci le ministre. Beaucoup, merci le ministre. À monsieur le ministre. Si on peut applaudir pour monsieur. Merci. Le centre de santé intégré dans le village lointain, dans le district de Gamboma, c'est le village Mbaya. Là-bas, il y a un grand notable qui souffre simplement parce que la structure n'a pas de conditions assez. Alors, nous avions invité, parce qu'ils ont des dents, ça ne pouvait pas venir ici, parce que nous avions dents de médicaments d'une valeur de 4 673 444 francs. Monsieur Thierry, qui viendra donc réceptionner l'échantillon par les mains du président du comité de jury. Monsieur Thierry, venez. Voilà. On va applaudir donc le geste. Il reste donc voilà. Il reste donc à faire bon usage, et je crois la prochaine. Merci. C'est pour vous. Les nominés de la première édition 2015. Prix social éloge est attribué à la société Asper Brass. Allez, monsieur Asper Brass, après. Très rapidement, simplement, docteur Quevin. Donc, Asper Brass, qui a été donc choisi pour la promptitude et surtout pour la qualité des travaux de construction, je l'ai dit, des différents hôpitaux généraux sur l'ensemble du territoire national au profit du système de santé congolais. Mais j'adresse les félicitations aux amis d'Asper Brass pour le travail qu'ils abattent. Hein. Merci beaucoup. Merci. Si on peut applaudir pour Asper Brass, voilà, c'est... Et vous avez votre diplôme. Et il y a un tableau, monsieur le directeur. Le tableau, là, c'est un message. Voilà, simplement un message. Là, c'est un message qu'ils vont garder et qu'ils auront toujours à l'idée que, voilà, Asper Brass, c'est comme un chasseur qui est allé tuer du gibier pour les populations. Et lorsqu'un chasseur tue du gibier, vous savez ce qui se passe dans le village. Et nous leur demandons de continuer toujours à tuer des gibiers pour la population congolaise, pour que nous ne soyons pas. Et ça, c'est le message. Voilà. Si on peut applaudir. Mais on a comme l'impression que la salle n'est pas gaie. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Merci beaucoup. Prix spécial découverte est attribué à la société Comadeg Medical SAR. Asper Brass a eu le prix éloge. Et eux, c'est le prix découverte. Monsieur le ministre a vu Comadeg pour la première fois au Congo. On a une société purement congolaise qui fait énormément de choses. Nous allons donc appeler monsieur le conseiller à la communication du ministre de la Santé. Manager, je vous transmets ce prix
à la faveur du travail que vous êtes en train d'abattre pour le bien du peuple. Merci beaucoup. Voilà. Et il y a aussi un tableau, c'est le message, il a compris, un chasseur. Voilà. Mais je vous demande de ne pas trop tuer. Ça a toujours été un plaisir au village quand... Allez, si on peut applaudir. Merci beaucoup, merci. Voilà, monsieur. Ok, merci. Catégorie laboratoire biomédical. Distingué, excellent. Service de laboratoire biomédical de la clinique COGEM. La santé fait partie des piliers de la sécurité. Dans un pays, si vous voulez aussi, en coup d'état, vous passez, c'est comme ça qu'on invite le conseiller à la communication du ministre de la Défense qui est ici, qui va arriver, qui va donc... C'est... On va dire, nous avons l'honneur de vous adresser nos félicitations pour le travail que vous avez bâti et qui est connu d'ailleurs de tous les Brazzavillois et peut-être tous les Congolais. Nous vous encourageons à continuer dans cette démarche pour le bien de tout le monde. Merci. Applaudissez, il y a le diplôme. Ok, il y a le tableau, le chasseur. Comprenez le rôle du chasseur. Il va continuer à chasser. Mais dans le cadre du développement durable. Très bien, dans le cadre du développement durable. Applaudissez pour que je monte quand même. Catégorie structure sanitaire. Distingué, excellent. Clinique médicale de Brazzaville, ex-CEMO. La clinique médicale de Brazzaville, qui nous fait honneur de développer un service ophtalmologique référentiel pour la sous-région. Monsieur le directeur financier des études et planifications, conseiller financier du ministre de la Santé. Monsieur le DEP, comme on dit. Venez, ça veut dire que votre rôle, c'est de créer une passerelle pour financer aussi les structures privées, comme vous financez déjà les structures étatiques. Parce qu'il y a une coopération privée publique. Ne restez pas seulement scoutier aux structures publiques, mais il faut aussi appuyer le secteur privé. Voilà. Ce conseil va droit à madame Bita Diallo, qui doit s'occuper à la fois du secteur privé et du secteur public. Alors, voilà, vous avez... J'ai la chance de... Vous donnez ce prix à une dame, je vous félicite et je vous encourage à poursuivre vos efforts. Le diplôme et le chasseur. Continuez à tuer le gibier pour nous, mais dans les voilà les conditions du développement durable, comme m'a dit M. le conseiller. Merci à vous. Si on peut applaudir pour la clinique. Catégorie recherche médicale. Distinguée, excellente. Professeur Francine Toul. La recherche médicale, un maillon un peu oublié, faible, dû à des investissements. Hein, quand on voit les subventions allouées à ce volet, c'est vraiment négligeable. Et pourtant, c'est le maillon même de la prise en charge dans le domaine médical. Et pour créer la visibilité de la recherche médicale, donc nous allons inviter le responsable de la communication au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, représentation du Congo. Voilà. Merci. Ok, Francine Toumi. Professeur Francine Toumi. Mm-hmm. De tout temps avec nous, et nous cheminons ensemble, et nous sommes heureux de vous remettre ce trophée que Panorama Santé a bien voulu que nous vous transmettions. Toutes nos félicitations. Merci pour le diplôme. Mais cette fois-ci, c'est la dame. Cette fois-ci, le tableau change. C'est la dame. La dame, une dame qui berce son enfant. Vous avez voulu faire des choses pour le petit Congo, mais nous vous demandons de continuer à bercer ce petit Congo, comme dans ce tableau,
donner plus d'amour encore, même dans des difficultés, mais continuer, évoluer pour l'amour du Congo. Merci à vous. Si on peut applaudir pour Francine. Catégorie projet ou programme. Distingué, excellent. Projet d'appui à la formation des personnels paramédicaux, paramèdes. Projet, paramèdes. Et si nous, on peut déjà demander au conseiller juridique du ministre de la Santé de venir donc donner pour qu'il comprenne qu'il a la responsabilité de faire appliquer les textes pour faire évoluer cette coopération, ce serait intéressant, c'est pas ça? Mais voilà. Si tu me permets, je vais associer à la prise de ce trophée deux personnalités importantes. Il y a M. Galland qui a été envoyé ici par le professeur Gentilini, qui est pratiquement le président de l'assistance technique. Mais très bien, donc. Vous nous donnez la chance d'avoir. Venez, monsieur, venez recevoir ce trophée. Et parce que nous devons faire et que nous faisons un effort de pérennisation, je demande au professeur Franzonto de venir ici. Ah, le professeur Ronzotto aussi. Oui, et une fois le trophée reçu, nous le remettons. Ah bon, ben là c'est fort, hein? Donc le projet paramètre, c'est vraiment une affaire de beaucoup de partenaires. Merci beaucoup monsieur le conseiller, le respect des textes réglementaires. Donc faut pour bien travailler parce que la réglementation c'est l'encadrement et lorsqu'une action n'est pas encadrée, eh bien on peut déboucher sur les dérapages. Nous sommes donc très heureux de vous transmettre cette distinction, qu'il soit pour vous l'esprit d'un encouragement dans tout ce que vous êtes en train de faire. Merci. Très bien. Vous avez le diplôme, monsieur. Vous avez le diplôme et vous avez aussi un tableau, le chasseur. Bon, voilà. Là, on ne sait pas qui est véritablement le chasseur, qui est véritablement le chasseur, mais je crois que... Je chasse les compétences. Très bien, merci beaucoup. Merci. Si on peut applaudir pour Paramède. Voilà, et il y a encore une petite cérémonie spéciale. Donc, le ministre est doublement primé aujourd'hui. Voilà. À tout seigneur, tout honneur, et ça en remet. Ok. Merci. Merci, monsieur le conseiller juridique. Catégorie médecine. Distingué, excellent. Professeur Gautran Onzoto. Voilà, c'est le professeur Gautran Onzoto qui va arriver. Il revient. Le professeur Gautran, il revient, cette fois-ci pour la catégorie médecine. Le directeur des affaires générales, qui est un peu dans tout, du ministère de la Santé et de la Population. Il va venir. Monsieur, vous allez remettre le trophée à ce monsieur qui est un peu dans tout. Et vous qui êtes le directeur d'un peu de tout, ce serait intéressant que vous essayiez d'encourager ceux qui sont dans tout. Et qui est vraiment dans tout? Bon, mais je vais quand même le dire, qui au-delà de la santé et parfois dans la politique aussi. Bon, donc je vous remercie et, parce que sans vous, certainement que ces éminences ne seraient pas connues. Et les médias, vous savez ce que ça apporte comme effet. Donc merci beaucoup et continuez dans cette lancée. Ensemble, nous allons bâtir le Congo nouveau. Merci beaucoup. Si on peut applaudir pour le... Voilà, il y a le tableau. Le tableau, le chasseur. Vous êtes chasseur, puisque vous êtes dans tout. Continuez aussi à chasser. Voilà. Catégorie partenaire extérieur. Distinguée, excellente. Docteur Fatoumata Binta Tidiane Diallo. Il s'agit bien sûr de la représentante de l'OMS chez nous. On dit bien que qui a la santé a l'espoir. Autrement, la santé, c'est la vie. Mais la vie aussi, c'est la santé. Quand nous naissons, nous avons déjà cette vie. L'important, c'est de la sauvegarder. Madame, vous êtes nominée pour vos valeurs qui sont inoubliables, surtout à valeur internationaliste. Merci. Bravo,
Il y a le... Merci beaucoup. Permettez-moi, comme l'a fait mon prédécesseur, d'appeler mon collègue M. Bibousi, parce que ce trophée et cette reconnaissance, je n'aurais pas pu l'avoir si je n'avais pas une équipe autour de moi. Aussi, si je n'avais pas eu réellement toutes les opportunités qui m'ont été offertes par Monsieur le ministre de la Santé et toute son équipe. Et de là aussi, je voudrais donc remercier le gouvernement de m'avoir donné la chance de pouvoir être une Congolaise et faire mon travail comme le ferait tout Congolais dans ce pays. Je remercie très sincèrement aussi votre émission, que je suis très souvent et régulièrement d'ailleurs. Et soyez rassurés que nous ferons tout pour que ce pays puisse être au rendez-vous de certains engagements qui sont des engagements mondiaux et des engagements nationaux dans le cadre de la lutte contre la maladie et de l'amélioration de la santé des populations du Congo et de l'Afrique, on peut dire. Encore merci beaucoup, monsieur le directeur. Merci. Et il y a un tableau. Alors, vous êtes une dame, une maman. Pensez au Congo, petit Congo. Continuez à le verser, ça lui fera du bien. Merci à vous, madame. Si on peut applaudir pour madame Binta. Catégorie innovation. Distingué excellent. François Ibovi. Monsieur le ministre de la Santé, si on peut déjà applaudir pour cette immense personnalité. Et monsieur le ministre, l'honneur vous est choix. L'on vous reconnaît très compétitif verbalement. Je ne serai pas poète plus que le poète. Je n'ai que cette occasion qui est tout à fait connue, nous permettant d'être unis ce soir. Je ne me permets que de vous remettre ce trophée et puis cet autre diplôme. Ça y est où? Voilà, par le mérite qui vous incombe, monsieur le ministre. Monsieur le ministre. Ici, c'est le tableau de chasseurs. Comprennent mieux la chasse que ceux qui sont nés au village comme nous. Le chasseur, c'est celui qui a la bravoure. C'est celui qui recherche le gibier pour nourrir la société. Vous le faites en implantant partout les hôpitaux sur notre territoire. Vous êtes l'homme d'innovation tant reconnu. Monsieur le ministre, bravo. Bravo pour monsieur le ministre, bravo. Je voudrais simplement rappeler ce que tout le monde sait. C'est le principe que nous avons au ministère de la Santé. Je ne dirai pas plus, parce que la meilleure façon de dire, c'est de faire. Merci beaucoup. Alors, nous sommes arrivés au terme de cette émission spéciale. Nous allons appeler donc les lauréats à venir devant pour une photo de famille spéciale. Bonne chance à tous nos lauréats. Nous espérons les revoir ici lors de la deuxième. Merci. Ok, édition. La deuxième édition. Voilà. On vous rappelle qu'il y aura 30 nominés parce que même les bancadiers, les ambulanciers seront nominés pour les encourager des catégories exceptionnelles que vous allez découvrir pendant la deuxième édition. Merci à tout le monde. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci et à nous revoir au prochain numéro.